3 minutes de la fin de cette première période. Le premier essai du match et libère les Toulonnais. Irrésistible, Joshua Tuisova sur sa puissance physique, sur son explosivité aussi. Regardez, le retour dans le fermé, bien vu, signé Pélissier, et là le 1 contre 1 gagnant, la percussion. On vous le rappelle, hein, c'est le joueur dans le top 14 qui casse le plus de plaquages et ensuite, grâce à sa vitesse, il et va là, déborder. Thomas, il élimine pas moins de 3 joueurs de Castres sur la même action. Ouais, c'est vraiment l'une des révélations cette année dans le top 14. On sentait son potentiel qui était fort. Par munition qui lui a été offerte en première période après avoir été menaçant tout à l'heure. Quelle puissance! Très très difficile à plaquer, Thomas. Oui, très difficile à plaquer parce que finalement un centre de gravité assez bas. Et l'Arboleta là, du Rugby Club Toulec, la prise d'information de Pélissier qui voit un côté, un petit côté utilisable avec, vous allez le voir, David Smith qui va arriver ici pour défendre. Situation de 2 contre 2, mais Joshua Tuisova n'est pas le meilleur franchisseur, le meilleur casseur du plaquage du championnat pour rien. Il s'offre même le luxe de ne pas jouer le dernier 2 contre 1 et sur son explosivité, son côté électrique, de battre en 1 contre 1 Palisse pour conclure. Thomas, on avait décidé de suivre un match dans le match, le duel Tuisova face à Smith. Avantage Tuisova, non? Oui, très net, avec beaucoup moins de ballons touchés, mais beaucoup plus d'efficacité pour le Toulonnais. Vous voyez, 3 ballons touchés, 2 franchissements, 6 défenseurs battus, alors que Smith, lui, avec 8 ballons touchés, n'a battu qu'une fois un défenseur et réalisé une passe au contact. Donc avantage pour le moment à Tuisova. Sa bataille, on décortique, on déguste ces images signées de nos équipes à Toulon, et notamment, voilà, cet essai.